Bonjour, 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 bon dimanche. Bienvenue, bienvenue dans la cuisine de Maggi officielle. Bonjour dans vos maisons. Bonjour à toute la famille, mes abonnés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bienvenue dans la cuisine de Maggi officielle. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche dans vos maisons, bon dimanche dans la famille, bon dimanche à tout le monde qui m'écoute, qui me regarde, qui me suivent, qui s'abonne, qui like et qui envoie des messages. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans la cuisine de Maggi officielle, je vous dis toujours abonnez-vous, likez, partagez les vidéos de votre maman pour manger des bons repas. Vraiment que l'année 2023 soit favorable à tout le monde, que l'année 2023 qu'on arrête l'obésité pour bien manger la cuisine. Vraiment, mes frères et sœurs congolais, camerounais, ivoiriens, sénégalais, soutenez votre maman française, américaine, tout, soutenez votre maman, votre sœur dans la cuisine. Des Maggi officielles pour manger des bons repas, pour manger des bons repas cuisine africaine, hein? Voilà. Donc, manger cuisine africaine à notre façon, manger cuisine européenne à notre façon, parce qu'il faut manger de bonnes choses pour éviter d'avoir l'obésité, éviter les cholestérol, éviter tout ce qui est... des maladies, éviter. C'est pour cela, dans la cuisine des Maggi officielles, je vous ramène toutes sortes de modèles de cuissons de notre viande, poissons, légumes, les riz, les foufous, tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Mes abonnés, continuez à partager. Les Antillais, tout le monde, les Comoriens, les Asiatiques, vraiment continuez à vous abonner et à liker les vidéos de votre maman et à partager. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Donc aujourd'hui, je suis passée au marché voir mon poissonnier. Vous voyez, quand vous voyez votre poissonnier mettre dans un coin des poissons, les restes de poissons, les saumons, les thons, n'hésitez pas à lui demander. Hein. Moi, je l'ai pris à 5 euros. Tout ça, 1 kilo, je l'ai pris à 5 euros. Donc, n'hésitez pas à prendre tout ce qui est comme poisson comme ça. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Là, j'ai chauffé l'huile pour faire notre riz long étouffé. Riz long étouffé, j'ai bien lavé. J'ai mis dans les passoires pour vraiment vider l'eau. Là, j'ai chauffé l'huile dans mon casserole à riz. D'ailleurs, l'huile est bien chauffée. Et là, je vais mettre notre riz. L'huile est chauffée. Le riz est bien essoré. Je le mets dans l'huile. Je vais le laisser griller. Au moment où je le laisse griller, j'ajoute du sel, du romarin et de l'ail en poudre. Du sel, du romarin et de l'ail en poudre. Alors là, je vais le laisser griller un peu avant d'ajouter de l'eau. Là, notre riz est bien grillé, donc riz long étouffé, ça coûte moins cher. Là, les 1 kg à franc prix, ça coûte 99 centimes. Donc, riz long étouffé. À franc prix, ça coûte 99 centimes. Peut-être ailleurs, ça peut coûter aussi 85 centimes. Je ne sais pas, mais c'est des riz long étouffé. Riz long étouffé. Je vais vous montrer son emballage. L'emballage est là. Riz long étouffé. Voilà, riz long étouffé. Voilà, cuisson de 7 minutes. Mais dans la cuisine des Maggi officielles, vous avez vu, j'ai mis l'ail, j'ai mis du,
du romarin, je mets du sel et je le fais griller. Et là, je vais ajouter de l'eau chaude. Voilà. Je vous avais expliqué. Si vous mettez, comme là, j'ai mis 1 kg de riz, donc je l'ai séché. Après, j'ai mis dans l'huile, donc je vais ajouter 1 litre d'eau. Donc, 1 kg, 1 litre d'eau, 4 verres de riz, 4 verres de l'eau. Là, je vais les laisser cuire 17 minutes. Donc notre poisson, il y a du thon, il y a du merlin, il y a les saumons, donc il y a presque de tout. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre poissonnier. Voilà. Et vous prenez des tout petits morceaux de poisson là, là où ils mettent des têtes. Hein. Voilà. Et dans notre poisson, nous allons l'assaisonner avec du piment doux et du sel. Piment doux et du sel. Je vais bien mélanger et je vais les laisser mariner au moins 10 minutes. Je mélange avec mes mains, ça ne me dérange pas du tout. Après avoir mélangé les poissons, je vais ajouter le jus de citron dans notre poisson. Voilà, le jus est là. Et je vais encore mélanger, je vois sur... WhatsApp, sur TikTok, il y a une vidéo qui est en train de circuler pour que nos mamans, nos papas, les jeunes filles, qu'on arrête à cuisiner avec des cuillères en bois et des cuillères, non, qu'on arrête de cuisiner avec des cuillères en métal, aluminium et des cuillères en plastique. Donc, votez à partir d'aujourd'hui de cuisiner avec des cuillères en bois et de servir les repas avec des cuillères en plastique ou en métal, parce que quand c'est chaud, ça touche les casseroles. Ils ont dit que c'est pas bon pour la santé, donc voilà, on va s'adapter. Voilà, j'ai bien mélangé mon poisson avec le jus de citron et là je vais les laisser mariner 10 minutes. À tout à l'heure, je vais préparer les ingrédients pour la sauce. Là, j'ai étalé mon poisson dans le plateau à four. Je vais le mettre au four, regardez tout ça, à 5 euros. N'hésitez pas à demander à votre poissonnier de vous donner tout ce qu'il coupe, tout ce qu'il met de côté. Ça fait vraiment plaisir, comme ça vous allez manger le mélange de poissons. J'ai assaisonné ça, les goûts qui sortent dans ça, c'est trop trop bon. Voilà, ce n'est pas encore cuit, mais... je vous dis, c'est déjà délicieux. Je le mets au four au moins 20 minutes à 250. Il faut que ça soit, je n'ai pas mis d'huile parce qu'il ne faut pas mettre d'huile. On est là anti-cholestérol et anti... anti-quoi? Anti-obésité. Voilà, on est là. À plus. Là, je vous présente mes ingrédients. Ingrédients pour faire la sauce de mon poisson. Donc là, les concentrés de tomates. J'ai les concentrés de tomates, équivalent de 2 cuillères à soupe. J'ai le mélange de poivrons rouges et jaunes de Picard. Mélange de poivrons rouges et jaunes de Picard. Vous pouvez les trouver même dans tous les supermarchés. Et j'ai l'oignon rouge et l'oignon blanc. Et j'ai une tomate pelée. Et là, j'ai la ciboulette. J'ai oignon en feuille. En plus de ça, j'ai de la céleri mixée. J'ai de l'ail. J'ai le piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Oignon. Tomate. Oignon en feuille. Ciboulette. Poivron. Vous pouvez faire frais. Hein? Moi, des fois, j'utilise congelé. Et tomates concentrées, feuilles laurier,
Et là, j'ai le curry indien et j'ai le gingembre. Et là, j'ai du beurre et l'huile d'olive pour faire ma sauce et du sel. Voilà. Je vous montre. L'huile d'olive, du beurre, curry indien, gingembre. Je mets le gingembre dans les repas parce que c'est bien pour le système immunitaire. L'ail aussi, oignon, piment d'Espelette. Voilà. Mes ingrédients pour la cuisine. Voilà. Dans mon mixeur à choix à main, j'ai mis tomate, piment d'Espelette, ail, oignon en feuilles et poivron, oignon en feuilles, piment d'Espelette, tomate et l'ail. Je vais les mixer manuellement. Là, je mixe les ingrédients. Là, je fais exprès de couper les oignons en rondelles, gros morceaux, vous voyez. J'ai coupé le gros morceau, la céleri, c'est arrêté. Voilà, le gros morceau comme ça. Et je mets l'huile d'olive. Mon casserole est déjà chaude, je mets l'huile d'olive. Je mets les oignons. Et j'ajoute le beurre. Voilà, l'oignon est presque cuit. J'ajoute de la céleri et tomates concentrées. Je vais laisser mijoter au moins 2 minutes. L'oignon est cuit 2 minutes. L'oignon et tomates concentrées et là j'ajoute tout ce que j'avais mixé. Je rince le bocal et j'ajoute un peu d'eau pour que les tomates soient bien cuites. Et comme ça, je laisse cuire au moins 5 minutes. Je vais ajouter encore l'eau. Équivalent d'un verre. Je vais laisser cuire au moins 5 minutes. Plus tard, j'ajoute curry indien et gingembre dans notre sauce. Et j'ajoute les feuilles laurier. Encore 2 minutes. Ah, vous voyez les poissons sortis du four? Voilà, ça c'est les poissons. Je les fais fumer au four. Voilà, c'est les poissons. Pour la sauce, vous voyez, 5 minutes plus tard, la sauce est là. J'ajoute encore de l'eau, selon votre désir. Voilà, j'ajoute encore de l'eau là.
pour faire vraiment que ça soit vraiment un peu bouillon. Voilà. Je vais laisser mijoter, mélanger de l'eau avec la sauce au moins 3 minutes. Voilà, notre riz est très très bien cuit, vous voyez. C'est bien, hein? ça n'est pas brûlé. Je vous montre même les bas du casserole. Voilà. Vous voyez ça? Voilà les bas du casserole, vous voyez? Dirait long, étouffé, grillé. Voilà. Quelle saveur! Abonnez-vous massivement dans la cuisine de Maggy officielle. Abonnez-vous. Et Dieu ne manquera pas. Vous bénir. Soutenez votre maman dans la cuisine de Maggy officielle. Je vous aime beaucoup. Les gens qui s'abonnent, les gens qui vont abonner, les gens qui like, les gens qui partagent. Comme Maman Timba, toujours fidèle. Maman Timba, Monteville, Baba Bosco. Vraiment mes enfants, ma petite soeur Véronique, ma petite soeur Mimi, Nakatna. Nakatna Hollande, VMM TV Show, Nakatna Dallas, ma petite sœur Véronique, Nakatna VMM TV Show. Vous pouvez aussi aller visiter sa chaîne YouTube, VMM TV Show. Vous pouvez visiter aussi Quincy Cardinal, Nakatna Hollande, Quincy Cardinal TV. Donc vous allez voir des chansons, des conseils, des achats d'épargne, des achats de camions, donc dans les Quincy Cardinal TV. Vraiment, abonnez-vous massivement dans votre chaîne, surtout les jeunes filles, les jeunes garçons pour bien manger, les célibataires, les mariés. S'il vous plaît, partagez, vous n'allez pas regretter. Et mettez la notification sur la cloche. En bas de votre vidéo, vous allez voir, il y a une cloche de notification. À chaque fois quand je mets les vidéos, vous allez les recevoir. Vous cliquez la cloche et puis vous cliquez sur toutes mes vidéos. Vraiment que Dieu vous bénisse. À suite. Ah. Oh, c'est la sauce, ça. Ah oui. Ça vous donne pas envie, la cuisine de Maggy officielle? Ça vous donne pas envie vraiment de cuisiner comme moi, de liker, de partager les vidéos. J'espère que ça vous donne envie. Voilà, je prends ma sauce. Voilà. Et là, nous allons rester juste 3 minutes pour que ça puisse bien se mélanger. Que 3 minutes. Que 3 minutes. Je mets 2 minutes. Hein. 3 minutes. Là, je mets 4. Voilà. On va laisser 3 minutes. À tout à l'heure. Thank you, maman Nangaye. Voilà. Congolais, ah là là. Chercher à savoir comment cuisiner n'importe quoi, n'importe comment. Vraiment, abonnez-vous massivement. Regardez ce poisson. Regardez. Ah là 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 là. Abonnez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, massivement dans la cuisine de Maggy officielle. Abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse pour manger de bons repas, de bonnes sauces, pour être en bonne santé, en forme. Vous trouverez des recettes là, nulle part, qui est dans la cuisine de Maggy officielle ou chez vous. Donc cette sauce, les repas que Maggy cuisine, vous les trouverez nulle part. Nulle part à part si vous cuisinez comme moi, vous allez manger comme au restaurant, plus qu'au restaurant. Parce qu'on nous manque beaucoup, donc je préfère cuisiner de bons repas chez moi. Donc voilà cette bonne sauce. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous dans la cuisine de Maggy officielle. Moi, je salue tout le monde. Des gros bisous. La femme de Proverbe 31.
Elle va vous amener loin dans la cuisine pour manger de bons repas, toujours, toujours dans l'ambiance, dans la bonne humeur. Que Dieu vous bénisse. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Sachez-le, quand vous vous couchez, vous dites juste à votre Dieu, comme la Bible nous dit, je me couche, je m'endors en bonne santé, car c'est Dieu qui veille sur ma demeure, le Dieu qui veille sur vos enfants, sur notre famille. Donc nous ne devons pas avoir peur, parce que dans la Bible nous dit, pendant 365 fois, la Bible nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc chaque jour de notre vie, nous ne devons pas avoir peur. Tu te réveilles le matin, sois positif à toute chose que tu vas faire dans la journée, sois positif. Vraiment passer ta journée avec la foi, parce que Dieu, notre Père, notre Jésus-Christ Nazareth aussi, est le consommateur de la foi. Nous devons avoir la foi sur toutes choses que nous faisons. Nous devons avoir la foi pour réussir en toutes choses. Vraiment, je vous embrasse. À tout à l'heure. En dernier, j'ajoute la ciboulette. Ciboulette frais. J'ajoute la ciboulette. J'ai fini de cuisiner parce que Maggie, elle aime trop manger. Maggie, elle aime manger. Moi, j'aime trop manger, donc voilà. Je vous montre, je prépare mes assiettes. Vous voyez les riz? C'est bien, bien, bien cuit. Hein? Ça tombe tout seul. Jésus m'a aimé. Le monde m'a trahi. Aïe, aïe, aïe. Quel bon repas. Du riz grillé. Regardez. Du riz grillé. Alors, on va mettre nos morceaux de poisson. Voilà. Je vous dis toujours, dans la cuisine de Maggie officielle, dont vous faites votre restaurant à la maison. Restaurant à la maison, à l'Africana, à la maison. Vous faites un bon restaurant pour faire plaisir à votre chérie, à vos enfants. Ils ne manqueront pas de vous dire, comme la femme de Proverbe 31, heureuse femme et heureuse maman. Voilà, heureuse mère pour ses enfants. Voilà. Voyez, quand je vous dis les restaurants à domicile. Qu'est-ce que vous demanderez de plus dans la cuisine de Maggie officielle? Vous voyez cette assiette? Même au restaurant, on ne va pas vous servir comme ça. Cuisinez chez vous et abonnez-vous massivement dans la cuisine de Maggie officielle. Abonnez-vous, regardez cette vidéo plusieurs fois, abonnez-vous, cuisinez. Si vous ne trouvez pas des morceaux de poissons comme moi chez votre poissonnier, vous pouvez faire ça avec du chanchard, avec des maquereaux, avec des ngolos, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de poissons, avec de la morue. Ce n'est que la sauce et l'assaisonnement et des épices qui différencient la cuisine. Voilà. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez les vidéos de votre maman. Hein? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Mungu abapinishi. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Mungu abariki, Mungu abasaidie, vraiment bolamu akolo, ezala na mabota na biso na bandako na biso nyonso, vraiment
mangez comme votre sœur, comme votre maman, vous aurez toujours la taille fine. Voilà. Voilà. Bientôt c'est mon anniversaire, hein? Bientôt c'est mon anniversaire. J'invite à ma sœur Véronique MMTV Show de m'envoyer mon cadeau. Mon cuisinier Cardinal TV Show de m'envoyer des cadeaux. Mimi en Hollande envoie mon cadeau. Maman Simba, Namanteville, Mantla Jolie, Manteville, envoie-moi mon cadeau. Papa Bosco, mon bala mames Kenezi, Nakatina Bundes, j'attends mon cadeau. Tout le monde, mes abonnés, j'attends mes cadeaux. Mes cadeaux, ce n'est pas dit juste qu'il y a de l'argent ou bien quoi, ou des colis. Les cadeaux que je vais envoyer, les cœur et commenter. Et voilà quoi. Je vous aime, bisous. Bye bye dans la cuisine de Maggie officielle. Ciao. Jésus m'a aimé. Si Jésus m'aime, qu'importe ce que les gens peuvent dire, si Jésus m'aime, je m'en fous de tout le monde. Voilà, ce qui m'intéresse, que Jésus soit mon appui, que Jésus m'aime et que je garde la foi en Dieu. C'est ça qui est essentiel. Voilà, voilà. Comme la Bible nous dit, le commencement hein, a été la parole et la parole a été avec Dieu. Voilà, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est pour cela que je garde ma joie, je garde la foi, je garde tout parce que Jésus m'a aimé. Parce que ça, c'est les chansons, les poésies cardinales. Rumba na Yesu. Danser avant de manger. Je bénis mes enfants. Dieu merci pour les enfants que tu m'as donnés. Dieu merci pour mes abonnés. Dieu merci pour la grâce que tu me fais tous les jours dans ma vie. Dieu merci pour les gens qui m'aiment. Dieu merci pour la vie. Dieu merci pour la cuisine. Dieu merci pour les bonnes choses que tu nous donnes. À bientôt dans la cuisine de Maggie officielle. Que Dieu bénisse. Ciao. Maman Simba, hii, Maman Simba, tu danses comme moi? Maman Fatimata, tu danses comme moi? Maman Caroline, comment tu vas? Maman Corélie, Maman Caroline, ça fait longtemps. Yannick au marché de Ponte-Congo, comment tu vas Yannick? Yannick, il vend de la lingerie, de bonnes choses, des parfums. Allez visiter Yannick dans le marché de Ponte-Congo tous les jeudis à 10, l'après-midi et tous les dimanches matin. Voilà, celui qui veut me demande le numéro de téléphone de Yannick pour acheter des parfums. Ciao!